D'abord, en élevant notre taux vibratoire, eh bien, on va accéder plus facilement à notre pouvoir créateur. Donc, on va pouvoir là encore attirer davantage des rencontres, des événements, des synchronicités qui nous correspondent davantage, c'est-à-dire qui correspondent à ce que nous sommes au plus profond. Et puis, tout est aussi une histoire de vibration et de fréquence, c'est-à-dire que le guide intérieur, ce que j'appelle le guide intérieur, qui est l'aspect le plus élevé de nous, hein, l'aspect un peu incarné de notre âme, nos guides de lumière sont, on va dire, à un taux vibratoire quand même très élevé. Pour qu'on puisse les atteindre, pour qu'on puisse également se rapprocher de notre âme, eh bien, c'est important, vous voyez, d'élever notre taux vibratoire pour que l'on puisse se rencontrer. C'est en cela que ça va être extrêmement aidant. Et je pense que je vous réserve même, parce que j'aime bien ça, une pratique en direct tous ensemble pour que l'on puisse élever ensemble notre taux vibratoire et surtout en faire l'expérience concrète pour que vous puissiez aussi sentir dans votre corps ce que ça fait quand vous élevez votre taux vibratoire. Parce que quand on élève notre taux vibratoire, eh bien, je dirais qu'on se sent mieux, c'est tout simplement. Et puis, quelque part, la vie devient aussi plus légère, plus fluide. On est littéralement dans un rendez-vous historique et sincèrement, pour moi, je n'exagère pas en disant ça parce que c'est ce que je reçois, c'est ce que je ressens. Ou quelque part, on est à un carrefour où deux routes s'ouvrent à nous. Je dirais une route où on continue comme avant en pire, ou une autre route qui est réellement possible et j'y crois profondément. Avec, je dirais, un éveil plus global où on va ensemble naturellement vers une société, je dirais, plus juste, plus équitable.